L'art, pour moi, c'est la liberté. Je dirais que pour moi, la seule fonctionnalité qu'il va avoir, ça va être les émotions qu'il va procurer. Je viens pas d'un milieu d'artiste. J'ai pas fait des études dans le milieu de l'art. J'ai vraiment un besoin en moi, un besoin viscéral de créer, de produire. Et avant que je m'affirme en tant qu'artiste, j'ai mis de nombreuses années, puisque j'ai 40 ans aujourd'hui, et je m'accepte en tant qu'artiste à peine, quoi. Je m'aperçois justement que je me sens bien dans mon petit atelier quand je suis entouré d'œuvres en cours ou d'œuvres achevées, mais qui sont encore ici près de moi. Pour moi, la musique, en fait, c'est juste une autre façon de s'exprimer parmi tant d'autres. C'est la musique en général, en fait, qui va me booster. La musique a une importance mais folle dans ma vie, comme beaucoup de gens, mais je peux pas vivre sans musique. C'est très compliqué pour moi de pas avoir un fond musical, et j'aime toutes les musiques, j'aime découvrir des musiques. Je crois que mon but de vie, mon life goal, m'a été dicté par la perte de mon papa il y a 20 ans de ça. Donc au moment où tu te lances dans la vie, et tu as 20 ans, tu as la vie devant toi, et puis à ce moment-là, tu vas avoir quelque chose de fort, comme justement la perte d'un proche, qui va te montrer que malheureusement, la vie a une fin, et la vie est courte, elle peut être très courte, et qu'il faut vivre maintenant.